nous souhaitons nous la bienvenue à Soyan. À Soyan, nous réservons nous beaucoup de bonnes surprises. D'ailleurs, nous avons un thème extraordinaire que nous allons partager avec nous un peu plus tard. Non, moi, c'est Florence Clerval, m'accompagnée de deux co-animatrices qui fait Blaye Culturel Night avec moi. Nous avons ici Luce et Rosie. Encore une fois, bienvenue au nom de Blaye Culturel Night. Et nous pas prêter trop longtemps parce que nous tellement grand pile bagaille pour nous assoyer, nous juste à pas nous, bah nous non. Salut assistance là. N'a dit merci d'ores et déjà pour chaude présence ou chaude participation dans bel programme ça que Blaye Culturel Night pour vous assoyer. Non pas, c'est Rosie. Alors, avant de commencer, merci. S'il vous plaît, levez-nous pour l'hymne national. Donc, nous allons commencer bientôt. Cependant, bon bail, nous t'arrêmer nous faire parce que son bail nous pas jamais fait. Nous t'arrêmer font petit changement à soyant. Nous t'arrêmer que nous garder monde qui bon côté nous à soyant. Et puis, si nous habitués déjà dans Blaye Culturel, dis monde qui bon côté nous, bienvenue à Blaye Culturel. Si nous pas jamais fait ça, gardez à gauche à droite, gardez qui monde qui fait venir, dis au bienvenue. Ou bien, si nous pas jamais fait ça, dis au comment y est, bonsoir. Est-ce que nous avons 10 minutes pour nous faire ça pour moi, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup. Alors, assoyant, thème non, son thème que tout haïtien aimait discuter. Amdan de Yopin dans nos dix politiques. Non, nous ne pouvons pas parler de politique dans Blaye Culturel Night. C'est pas politique. Thème non, son thème sous sport. Alors, assoyant, thème non, c'est histoire. Football haïtien. Alors, il y a de grands noms que nous prenons le temps d'assoyant. Il y a un panel qui prend le chita, comme nous, assoyant, on tape derrière nous. Il y a un panel de gens qui prennent le parler, discuter de l'histoire de football haïtien avec nous. Alors, pas gêner nous poser questions. Levez-nous, laissez temps pour nous poser questions. Après, nous avons fini de présenter. Levez-nous, dis-nous, et puis, dis questions depuis que nous avons le temps pour faire ça. Alors, à ce moment-ci, nous t'a demandé nous prendre un petit moment pour nous écouter Luce parce que nous pourrons commencer tout de suite. D'accord. Merci Florence. Merci. Jean-Florence Sinois, à Soya, nous avons un programme spécial pour nous. Et le programme, c'est l'histoire du football haïtien. Mais le football, c'est le sport national. Pendant qu'on a parlé de football haïtien, nous avons parlé de l'autre bagaille également, parce que c'est l'athlétisme, le sport en général en Haïti. Mais à Soya, nous avons 4 panélistes que nous avons, mais techniquement, c'est deux monde qui passent de présentation. Je ne vais pas même présenter mon Sayoba. Cependant, pour les plus jeunes, qui peut-être pas connaissent mon Sayo, je vais obligé de faire une introduction. Mais une introduction vraiment réelle. Parce que mon Sayo tellement. Gain dans Jacoucho, comme tu as passé soirée à parler de yo, je n'ai pas besoin d'opportunité pour venir là. Donc, on va commencer. Premier monde que je vais présenter là, monsieur ça, son monsieur qui a 94 ans. Monsieur a été joué dans l'étoile haïtienne. Il était également joué dans la sélection nationale.
il voit qu'il représente le pays. C'est un monde qui tellement aime le football. Il est originaire de Jérémy. Le Kounia, il prend ou qu'il décide, soi-disant Wedre, il est vraiment actif. Il tourne Jérémy, il a continué à former des jeunes en Haïti. Parce qu'il croit que la société, pour l'avancer, la culture est un élément essentiel là-dedans. Et pour la société, c'est un élément essentiel dans la culture. Eh bien, monsieur, ça, je ne peux pas dire plus. Presque nous toutes là où je suspecte, parce que ce monde à 94 ans, il a entraîné plusieurs joueurs qui étaient là. Ce monde qui est juste pour nous, fort en boule. Il monte sur le terrain, il a joué, fais attention pour ne pas prendre le Donc, je vais demander pour applaudir. Encore une fois, Maurice Fayence. Quelle est venez nous rejoindre. De ce côté. Et la deuxième personne que je vais appeler, ça, comme je dis, nous tellement que peut être à ce là, je ne pas compte ça pour me dire encore. Et deuxième monde que je vais pour me c'est quelqu'un qui également a formé plusieurs jeunes sportifs en Haïti, mais qui avait également joué le football en Haïti. Mais qui partit assez tôt. Il n'y a pas joué seulement au football, il joue au volleyball depuis le décès de Gonzague. Là, au collège Saint-Pierre, il joue au volleyball. Mais également, ils sont qui intéressés dans le football, il est rentré ici. Comme je dis, il y a une liste de bagages qu'il peut faire. Non seulement il continue à jouer aux États-Unis, il continue à former plusieurs groupes sportifs. C'est un monde qui même essaie d'aider les Haïtiens, pas seulement les Haïtiens. Les on peut dire défavorisés de petits monde qui gagne bagaille qui ça réellement porté vers la délinquance que il était réellement pendant 6 ans bon c'était à travailler avec petit monde ça yo mais on pas pas dire toute l'autre bagaille que il fait parce que la focus sur sport à soi mais réellement ça c'est au monde également qui fait en pile recherche sur le sport haïtien particulièrement le football écrit en pile article donc encore une fois applaudis fortement pour Fred Voltaire. Maintenant, nous pas nécessairement seul, tout le monde m'a parlé là, yo joueur, yo chroniqueur, yo gè tout comme on dit non, vraiment impressionné le regard des bagages monde ça yo. Prochain monde que m'a appelé là, c'est quelqu'un qui a également pratiqué le sport, il a joué également au football, mais c'est quelqu'un qui est docteur en médecine orientale. Mais qui est toujours attaché au sport, qui est chroniqueur sportif, qui aide également à former des joueurs. Et si nous allons appeler tout bonnement le docteur Bonaparte. Jacques, je peux nous dire. Également, nous avons un autre panéliste, son membre là, Laïc Culturel. Et nous tous connaissons parce que ce n'est pas seulement football, il y a là tous les. Pour les jouer dans Don Bosco, tout ça. Non, c'est pas ça. L'équipe bon manger, parce que là, nous avons des fois qui réunion, que nous avons pique-nique, que nous avons journée sportive blanc, tout le monde a dit qui ça blanc de préparer. Donc, le frère Bichel, non. Et également, je vais appeler un autre membre de Blaye Kiltirel, qui réellement qui est Awol César, parce que Awol voit réellement et. Il n'est pas par le panéliste réellement, parce que Awol dit monsieur ça a tellement composé que trouver que le timide il va le dire rien pour rien. Mais quand même, il est modérateur. Donc, Awol également a joué et pas collé. Il était joué en Haïti, 4e division, l'entrée très jeune ici. Il était fait et relais, course de relais, il fait un bon bagage tout. Donc, Awol toujours a battu football chaque dimanche avec Daïk Tirel, même Jean Lefranc, Vinicius. Avant que nous commencions, évidemment, il faut parler, particulièrement, comme j'ai dit, du sport en Haïti, mais avec un focus sur le football. Et il y a pas loin de beauté, chance pour la fémote en Haïti, le déclin, au reflet de la société, et également ce qu'on pourrait faire pour continuer à encourager les jeunes, pour continuer à jouer au football là, pour nous recommencer, pour nous remonter pas réellement. Mais avant que je passe la parole pour commencer à présenter Banon, Yvon et Edouard, tu as aimé partager quelques pensées avec nous. Yvon? Avant Yvon Edouard, qui nous partage et pensée que vient avec nous,
Luce, quand tu as fait cette introduction, je vais vous dire de faire l'émission. À bien s'inviter nous pour nous entendre et pour nous faire provision de connaissances. Et prêtez attention à ce que je vous dis. Merci de votre présence. Et surtout, posez des questions si nous ne pouvons pas nos bagages. Si nous avons besoin de comprendre ce que je Ah, bien bonsoir. Encore une fois, je tourne dans le micro ça. Hein? Pas parce que moi-même micro, c'est parce que je considère que je suis posé dit. Imaginez-vous que M. Serre fait déplacement ça de si loin pour une bonne information pour nous. Blogade est dans une salle qui claire ce mail. Ça a tellement l'aide, même mon gens pour me dire. Il vient montrer que le nécessaire pour chaque monde qui est là, qui comprend le programme ça. L'heure où vous faites déplacement ça, invitons un ami, une famille, un voisin. Ce n'est pas normal qu'on a fait effort ça, pour faire une présentation ça pendant que nous parlons de la vie. Il y a un homme qui emmerde un musicien, c'est là de coucher à table. Parce que vous n'allez pas danser. Ok? Monsieur, nous-mêmes qui avons un programme dans le temps, chaque fois que nous venons là, nous allons amener au moins un monde avec nous. Parce qu'il est excessivement important. Nous avons fait effort, il n'est pas facile pour nous mener le monde dans le calibre ici. Pendant ce temps, il y a des gens qui peuvent apprécier ça. Tout à l'heure, pendant l'hymne national, je regardais moi, monsieur dame qui travaille, qui te travaille pour camper, pour apprécier l'hymne national. Si tu fais ça, pas de bravo pour vous. Si tu pas faire l'ordre, tu réfléchis. Réfléchis. Vous obligez de dire ça. I'm sorry. Nous sommes l'île banou tout à l'heure. Et je m'entends de l'île avec toute autre intonation. Son avant, moi, le poème ça, Rosy Bamoutikou. Parce que je ne suis pas tellement bon dans le créole, non, mais vraiment je suis un bon professeur. Parce que l'idée me fait un très bon travail. Donc, je vais quitter nous juger comment je lis le poème en créole. Donc, c'est le poème Rosy Bourget et intitulé Sio Malin. Alors, je vais prendre temps. C'est Sio Malin, une belle femme banda, cal Guatemala. Qu'elle achète un matelas pour le dormir à paix tant bas. Ils ont diminué dans le tabac qui n'est pas capable. Qui porte premier prix dans le débat. Si on est là, il y a un réseau qui relève la familia. L'aide joie d'Elva, un ancien musicien bossa, attendez ça. L'idil, pas quitter ça, passer comme ça. L'idil était là déjà. L'idil fait partie la familia. Faut qu'il joue une portion pâle dans le gâteau qui a séparé. L'épée en bas frappe pot caïsio malin pour venir dormir à Coméa pendant des joies d'Elva t'es là. Si on maladie, dis pas là. Pète en bas dit, si ça continue comme ça, la fessio mala remette li comme là. Ou bien, la prend matelas. Merci.